Salut! Alors, la vidéo n'est pas encore sortie, mais je suis vraiment pas loin de la finir. J'en suis ici. En fait, la vidéo, je pourrais carrément la sortir demain ou après-demain, mais comme je me suis tenu à une vidéo tous les lundis, ben vous l'aurez la semaine prochaine, là c'est sûr. En fait, c'était aussi pour arriver à un deuxième point qui était que j'ai changé de méthode de travailler. C'est-à-dire qu'avant, dans le montage, après avoir dérush, c'est-à-dire sélectionner toutes les répliques qui correspondaient, qui étaient propres pour la vidéo, eh ben, je montais la vidéo du début à la fin. En fait, c'est très éprouvant et très éreintant parce que j'ai pas l'impression que la vidéo avance et du coup, ben, je perds de la motivation et du coup, je travaille moins. Du coup, j'ai trouvé une nouvelle méthode qui est très inspirée des ateliers de création de voitures de Toyota. Ouais, c'est pas faux. Au lieu de faire la vidéo, donc la voiture du début à la fin, entièrement, c'est-à-dire je fais tout ce qui est suspension, mécanique, électronique, carrosserie, tout ça, je fais plutôt par étapes, c'est-à-dire que maintenant, je vais faire toute la carrosserie d'un coup, puis toutes les suspensions, puis tous les pneus, puis toute l'électronique. Voilà, et en gros, c'est je vais monter toute la vidéo en mettant toute la succession des rushs qui se suivent. Ensuite, je ferai tous les effets, l'ajout des titres, l'ajout des transitions, et voilà. Et j'avance beaucoup plus vite. Et du coup, ben, je serai un peu plus content. Voilà. Ensuite, dans la vidéo, si ça galère un petit peu à sortir, c'est parce que j'ai fait du... Alors, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, bouchez-vous les oreilles. C'est bon ? Vous êtes prévenus ? Ok. Eh bien, je vais faire du poop dans la vidéo. J'en ai déjà fait dans les précédentes et j'avais bien aimé ça, mais du coup, ça demande plus de travail de montage et tout ça. Et surtout que mon ordinateur tousse un petit peu quand je fais ça. C'est bon, vous pouvez retirer vos oreilles. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ça. Et ben, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le super double ultimate sur Céline Monstara. D'ici là, ben... Salut !